Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, il y a un moment sur la chaîne, j'ai fait une petite présentation, un petit unboxing de ces fumigènes et torches à main là. Donc justement, dans ce cas présent, on a trois fumigènes et une torche à main. On en a deux de la marque Hardy et également deux de la marque Sparklers. Donc, dans l'ensemble, fumigène rouge, blanc. Bleu, blanc, rouge, couleur France. Et une autre torche à main de ce style-là. Également, il y a des spécifications sur ces trois torches sur ces quatre torches à main et fumigènes qui font qu'il y en a deux qui se grattent, donc un coup sur le dessus, ça se déclenche. Un autre à goupille, comme on a déjà vu la dernière fois sur la chaîne avec cette vidéo-là. Et une autre à mèche. Donc, on va tester tout ça. Du coup, on se retrouve là sur cette vidéo-là. Comme vous l'avez vu juste avant, on a quatre fumigènes, enfin, trois fumigènes et une torche à main. Et du coup, je trouve que ça va faire sûrement un petit peu long de vous présenter les quatre à la chaîne dans la vidéo. Du coup, cette première vidéo est le début d'une chaîne de quatre vidéos où vous aurez les quatre tests des fumigènes et torches à main. Et on va commencer tout de suite avec, pour cette première vidéo de la semaine, la torche à main, fumigène plutôt, allez la France. Donc fumigène normalement qui va se déclencher en bleu, blanc, rouge sur différentes couleurs. Donc qui va durer 1 minute, donc environ 20 secondes par couleur à peu près. Je vais m'écarter un petit peu, comme ça vous aurez une vue d'ensemble de ce que ça va donner. Et donc la vidéo d'après, ce sera l'autre fumigène blanc de Sparkle. Après le rouge et le dernier, la torche à main, qui se lance qui a l'air d'être un peu comme une grenade. Et vous aurez chacune de ces vidéos-là un jour par semaine. Enfin, plutôt une vidéo tous les 2 jours pendant toute une semaine. Donc si cette vidéo-là sort le lundi, vous aurez l'autre qui sera le mercredi, le vendredi et le dimanche. Voilà, allez, on va tout de suite faire ça. Donc je pense que dans le système, on est sur un système de goupilles, exactement comme ce qu'on a vu le premier coup sur la chaîne, comme vous le voyez. Comme on a vu la dernière fois plutôt avec la petite rouge et bleu. Rouge et bref, l'autre fumigène que vous avez dû voir sur la chaîne. La torche à main, la grosse torche à main qu'on a testée dans la grotte, qui était bien cool. Donc, bon bah allez, on va tester. C'est parti. Pas mal. Vous le voyez, ça fait une belle fumée quand même. Donc à tenir bien la verticale de ce que j'ai compris. Ah, fumée blanche, ça va attaquer, je pense. Bon, par contre, faut pas respirer la fumée, donc on fait gaffe. Et le rouge! Enfin, le rose pour l'instant. Ah, comme vous le voyez, pour ça, ça fonctionne franchement bien. Hein. Voilà, c'est fini. Bon, c'est quand même chaud. Mais voilà, bon, on a une petite odeur de cramé, hein, évidemment. Mais du coup, franchement, plutôt bien. Plutôt bien, plutôt bien. Sympathique, ça fait un peu de fumée. Ça se disperse plutôt rapidement de ce qu'on peut voir. Mais ça fonctionne franchement bien. Donc voilà la première vidéo de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner juste en cliquant là, au cas où vous mettez un gros pouce like juste ici. Et puis je vous laisse deux vidéos juste là, de chaque côté, comme ça vous pouvez décider, au cas où vous regardez une autre vidéo de ma chaîne ou pas, pour faire un meilleur avis sur tout ça. Et on se retrouve dans 2 jours pour la prochaine vidéo, pour le prochain fumigène. Allez!